Donc aujourd'hui pour le dernier épisode de la série sur Harvest Moon. Donc aujourd'hui on va essayer, en tout cas je pense, de finir l'histoire, donc juste le mode histoire, parce que j'avais dit normalement dans la vidéo précédente que j'allais faire du coup si jamais je me mariais, que j'avais des enfants et tout, que je vous montrerai. Donc c'est officiellement le mode histoire qui est terminé. Après voilà, donc pour le moment la série voilà, elle est finie officiellement, mais je sais pas après si voilà, juste quand je me marierai, je referai peut-être une vidéo bonus, mais voilà. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai disons fini le jeu en 14 épisodes, ce qui est plutôt assez court pour un let's play, sachant que donc par exemple mon ami Iguette qui a fait 23 épisodes dessus, ce qui est vraiment beaucoup plus que moi, mais bon voilà, c'est pas... Il y a peut-être plus de contenu finalement dans sa chaîne, mais bon après, voilà quoi, j'ai quand même pas mal avancé de mon côté, je suis quand même fière. Donc on va finir au moins sur un point positif, c'est que nous sommes au printemps, et ça faisait un bon moment que je l'attendais, puisque on a fait du coup tout le let's play en hiver, vu que voilà, on avait débloqué les saisons, mais on n'était pas dans le bon timing, ce qui fait qu'on n'a pas encore vu l'été et tout ça, tout ce qu'on a débloqué. Donc au final, on va finir la série sur de la verdure, et ça me fait vraiment plaisir rien que d'y penser. Voilà, donc on a vu un ours là tout à l'heure, voilà qui est là-bas. Je vais juste aller faire un petit câlinou, si c'est possible. Petit nounours. Oh, il est trop cute. Enfin, petit, oui, il fait deux fois ma taille. Donc, je vais aller nourrir mes amis... animaux, et je vais vous expliquer, du coup, ce qui va... ce qui s'est passé et ce qui va se passer, je pense. Donc, ce qui s'est passé... Donc, la dernière fois, on a dû trouver un fruit béni, qu'au final, on n'a pas encore trouvé. Là, même actuellement, on n'a pas le fruit béni. Donc, en fait, j'étais parler à Gilbert... et au final, j'ai dû retourner à la source de la déesse pour parler avec la déesse, qui m'a dit qu'elle ne s'y connaissait pas assez dans les graines magiques, disons, pour le fruit béni, et qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui avait, disons, des connaissances à ce sujet. Donc j'ai dû aller parler à Catherine, donc voilà, la fille qui vend les vêtements, qui a un caractère de merde, oui on sait qui c'est. Donc j'ai dû aller parler à Catherine, qui m'a dit voilà une petite histoire pour faire pousser les... sur comment faire pousser du coup le fruit béni. Donc après elle m'a parlé de lumière, en fait qu'il fallait une lumière puissante pour pouvoir le faire pousser. Donc en fait cette lumière on l'a en fabriquant on va dire une machine. Donc la machine du coup pour la fabriquer, j'ai dû me rendre dans la vallée de la lune pour trouver Doc. Donc oui, j'ai fait pas mal de choses, mais au final vu que c'était pas super important et que c'était des petits détails, comme j'ai dit, j'ai préféré le faire en dehors de la vidéo. Donc j'ai dû fabriquer un Insta Soleil, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc en fait ça multiplie la lumière par je sais pas combien, enfin c'est un truc super puissant quoi. Et du coup maintenant il me reste à trouver les larmes de bonheur. Donc j'espère les trouver dans cette vidéo, parce que ça serait bien qu'on finisse le jeu quand même. Mais je pense oui, enfin vous quand vous voyez le titre de la vidéo je pense que vous savez hein. Mais honnêtement je pense qu'on finira le jeu là. Donc j'ai juste quelqu'un à trouver, mais je ne sais pas à quelle heure cette personne vient du coup dans la vallée de la lune. C'est ça qui m'embête un petit poil en fait. Donc je vais peut-être prendre le sifflet, ça fait longtemps. Voilà, on va faire ça à l'ancienne. Hein. Il faut avouer qu'avec du verre ça rend beaucoup mieux. Allez, donc on va voir un peu. Bon il est 14h dans le jeu, je pense peut-être qu'elle est là la personne, je sais pas. Bon, il y a quand même du monde ici. Donc oui, j'ai oublié de préciser, nous sommes jeudi dans le jeu. Je sais pas si ça a un quelconque rapport d'ailleurs, mais... Au cas où... Alors, que j'y aille pas pour rien. Ah, la personne est là. Ok, super. Je vais prendre mon petit cheval. Ou peut-être non, je vais y aller à pied vu que ça fait pas trop loin. Ok. Comme ça, on voit un petit peu les environs, donc en dehors de la vidéo, j'ai pu du coup aménager un peu plus la route là pour aller vers la vallée de la lune, du coup vous voyez un peu le résultat. J'ai juste vidé un peu les contours parce que je galérais à chaque fois pour y aller et c'était chaud. Donc voilà, j'ai fait plein de petits zigzags, des petits, voilà, c'était fun, des petits serpentins.
Alors, j'espère que la personne va accepter mon truc. Je vous expliquerai après, hein, bien entendu. Donc voilà. Alors, cette personne-là, en fin de compte, c'est la mère de Sarah, donc la petite fille, qui a perdu son pendentif avec la photo de sa mère à l'intérieur. Donc, en fait, c'est carrément Naomi qui a retrouvé le pendentif. Et du coup, après, je ne sais pas du tout ce qui va se dérouler. Peut-être on va assister à la rencontre entre mère et fille. Alors, voici une information pour toi. J'avais une fille, elle était encore un bébé. Quand elle était si adorable, j'aimais ma petite fille, je l'aimais vraiment. Nous avons été séparés. Il n'y avait rien que je puisse faire, mais je l'ai toujours regretté. Question subsidiaire, pourquoi elle m'a été prise pendant des années, j'ai continué à me le demander. Oh, c'est trop triste. Eh, Jordana, si cette petite fille se présentait devant moi maintenant, aurais-je le droit de la rencontrer? Rencontre-la. Peut-être, peut-être qu'elle voudrait aussi me rencontrer. Bien, j'ai pris ma décision. Si j'ai la chance de la rencontrer, je vais m'excuser. Jordana, mène-moi à cet enfant. Cette petite fille qui t'a demandé de l'aider à trouver son pendentif. Oui, on va assister à la rencontre. J'ai trop hâte. J'ai besoin de lui rendre... Ouais. Ah, ça va être magnifique. Les retrouvailles mère-fille, mais ça promet, quoi. Alors. On dirait qu'elle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est à la recherche de pistes sur ce pendentif. Je pense aussi. Ok, essayons de la retrouver. Go, go, go. Où est-ce qu'elle peut être? Ah, la musique de la source, ouais. Oh là là, ça promet. Ah, elle doit être ici. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Oh, elle est trop mignonne. Oh, c'est trop mignon. Non, faut avouer, elle est super cute. Oh là là. Mais que vais-je faire si je ne le retrouve pas? Oh, ma petite soeur. Elle ressemble bien à sa mère, hein, quand même. Sortez les mouchoirs! Est-ce le pendentif que tu recherches? Oh là là, c'est vraiment adorable. Ça va peut-être être ça, du coup, les larmes de bonheur. Si jamais elle se met à pleurer. Mon pendentif! Depuis quand as-tu ce pendentif? Depuis toute petite, depuis que je suis un bébé. Le lendemain d'une grosse tempête, ma grand-mère m'a trouvée et je l'avais avec moi. Pourrais-tu me dire par curiosité, quel est ton nom? C'est Sarah. Oh, je le savais. Serais-tu... Es-tu ma maman? Sarah? Oh là là. Oh là là, non, les larmes. C'est trop touchant. Tu es vraiment ma Sarah. Maman, maman. Je suis désolée, Sarah. Je suis tellement, tellement désolée. Qu'est-ce que tu as grandi? Je suis tellement contente que tu sois en vie. Oh mon Dieu. Oh, c'était tellement touchant, je vous jure. J'en ai la larme à l'œil. Alors, comment pourrais-je jamais te remercier assez? Je te dois, nous te devons tellement. J'avais presque abandonné, je ne pensais jamais trouver ma maman. La rencontrer enfin est comme un rêve devenu réalité. Oh, c'est trop mignon. Je suis si heureuse d'être venue ici et que nous ayons été réunis. Ouais, moi aussi. Moi aussi, franchement, moi aussi. Ne pleurez pas derrière votre écran, je vous en supplie. Ne pleurez pas. Ah! Jordana, regarde! Qu'est-ce que c'est? Ah! What is this? Ce sont des larmes de joie. Ouais, j'ai enfin trouvé. Ah, trop bien. On va pouvoir finir. N'est-ce pas super qu'elles aient pu se retrouver? Je me sens si heureux pour elles. Mais moi aussi. Ah, c'est trop cool. Ah oui, du coup, j'ai fini plein de trucs. Voilà. Par contre, après, je sais pas, faut peut-être aller voir la déesse. Je pense. Je pense bien. Oui. C'est ça. Ok. Tu as pu obtenir les larmes de joie et l'insta-soleil. T'es vraiment quelqu'un, Jordana. Bah oui. Ah, trop bien. Maintenant, nous pouvons planter les graines bénies et faire pousser le fruit béni de Gorgane. Trop bien, trop bien. Oui, mais j'ai ce sentiment que j'oublie quelque chose. Ça doit pas être bien grave, oublie. Non, laisse. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Alors,
Les graines bénies doivent être plantées à un endroit où les gens se rassemblent. Où les gens se rassemblent. Je connais un endroit idéal alors. Où les gens se rassemblent. Devant chez moi. Les commerçants, les... Ouais, je sais pas. Petite musique. Allez. Bon, c'est bon. Youhou, merci. Il s'agit de l'endroit. Bah ouais, c'est bien là. Jordana, merci de bien vouloir planter les graines. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, let's go. Allez. Et le truc va pousser en 3 secondes, c'est ça? Comme pour quand on a fait avec le dieu. Wow. So beautiful. Ah oui, le truc, il a déglingué le sol, quoi. Wow. J'adore cet arbre. Il est magnifique. Wow, 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 c'est énorme, c'est gigantesque. Faire une sieste là-dessous serait si génial. Oh non, il n'y a pas de fruits. Ah bon? Il faut sans doute du temps pour qu'il pousse. Nous allons attendre et regarder pour l'instant. Ouais. Nous allons attendre. Oh, ils partent tous un par un. So cute. Ah bah pas lui. Peut-être qu'il manque quelque chose comme la déesse des récoltes l'a dit. Mais quoi encore? Non, je suis sûre que ça ira très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On cache quelque chose? Espérons que les fruits vont vite pousser. Ensuite, nous pourrons mettre Gorgane de meilleure humeur et ranimer l'automne. Ouais, trop bien. Alors. Ah, on a eu pas mal de minutes de cinématique. Ah bah du coup, elles sont réunies là. Les... Oh, c'est trop mignon. Bon, du coup, je pense que j'ai tout fait pour aujourd'hui. Je vais pouvoir aller me coucher et on va voir ce qui va se passer le lendemain, du coup. Alors, veux-tu aller te coucher? Oui, avec joie. C'est ma passion, dormir. Un fruit, je sais pas quand même. Le fruit béni, il peut pas pousser en une nuit quand même. Je sais pas. Oh mon dieu. On finit avec une tempête? Il y a un petit bonhomme là. Eh, je suis... Il y a un lutin. Je suis pas aveugle. Regardez, on voit un lutin devant l'arbre. L'ingrédient manquant que la déesse des récoltes a mentionné et qu'il fallait pour que l'arbre porte un fruit est ici. Et il va faire fondre le cœur de Pierre de Gorgane, le roi des enfers. Tout ira bien, tout ira sûrement très bien. C'est quoi ce mystère? Oh, on est en pleine tempête. On est arrivé par une tempête, on finit par une tempête, je crois. Il y a un truc qui va pas. Réveille-toi, réveille-toi, il y a un gros problème. Oh mon dieu. Oh, c'est flippant la fin. Ils angoissent, les pauvres. Une énorme tempête fait rage dehors. Il n'y avait pourtant aucun signe hier. Mais pourquoi il y a une tempête? Que diable! Ce doit être l'œuvre de Gorgane parce que le fruit béni est sur le point d'apparaître. Il va arracher l'arbre béni. Hein? Quoi? C'est quoi ce... Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse? Mon dieu. Est-ce que tu vas bien? C'est une tempête de folie. Oui, ça va. Nous sommes tous venus parce que nous sommes inquiets. Oh, merci Tony. Pas moi. Je suis simplement venue vous regarder, vous bousculer. Oh, mais toi, tu te tais. Toi, on s'en fout. Oublie tout ça. Est-ce que ta femme va bien? Merci de prendre des nouvelles pour moi. Hein. Séparons-nous et vérifions les alentours en faisant attention aux mauvais tours. Ouais. Ça va aller, Jordana, nous sommes tous là pour toi. Oh, quelle solidarité. J'arrive plus à parler, il est super tôt, je suis crevée. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout. Non? Rien? D'accord. J'ai cru qu'elle allait venir me parler, mais en fait, non, je crois pas. Non. Mais non, mais il y a encore ce lutin. Et pas seulement eux, tout le monde est en train d'arriver ici. Ce n'est plus un endroit lugubre où personne n'ose venir. C'est devenu un précieux refuge pour toutes ces personnes. Et ça, c'est grâce à ton travail, Jordana. Nous devons invoquer l'aide du roi des enfers. Roi des enfers, nous te supplions, ne laisse pas cet endroit qui nous est précieux être détruit. Ouais. S'il te plaît, fais quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur!
C'est le blanc. Oh, il y a le fruit. Je vois le fruit là-bas. C'est une poire. Gorgane, il vient nous sauver. Il est pas si méchant. Je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais faire pousser le fruit. Tu vois, je peux surprendre. Es-tu une imbécile? Regarde le fruit béni. Mais je suis pas une... Mais je l'ai vu! Je l'ai dit avant. Ni. Oh là là, une belle poire dorée là. Allez, mange et puis tu me ramènes l'automne et puis c'est fini, on n'en parle plus. Il y a longtemps, cette terre était fertile et beaucoup de gens et d'animaux ont habité ici. Mais avec le temps, les habitants ont oublié d'être reconnaissants envers la terre. Ils ont commencé à dégrader le terrain, à trop vouloir lui prendre ce qu'il avait de meilleur. Je ne pouvais plus faire confiance aux humains, je n'ai plus donné de bénédiction, je me suis caché loin dans les enfers. Oh, le pauvre. Mais après tout, je préfère que le monde d'en haut résonne de vie et d'amour. Oui! Oh, on va ramener l'automne? Tu as fait de ce lieu quelque chose d'encore plus beau à mes yeux. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Puis la musique, je sais pas si vous écoutez bien la musique de fond. J'espère quand même un petit peu, mais je trouve elle est mélodieuse. Je sais pas comment... touchante, disons. Moi aussi, je veux protéger cette terre comme je l'ai fait autrefois. Tu peux avoir le cristal d'automne. Ouais, merci, t'es trop cool. Je donne ma bénédiction à cette terre une fois de plus, que la saison de la récolte vienne. Oui, merci. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, il le mange même pas en fait. C'est le fruit béni qui se transforme en cristal d'automne. Oh là là. Si j'avais pensé à ça. Oh mon dieu. On a toutes les saisons. Les amis, regardez-moi ça. Oh, c'est parfait. Maintenant, toutes les saisons sont revenues à la normale. Si tu n'étais pas venue, Jordana, l'hiver serait resté éternellement. Je te remercie, Jordana. Que tous ceux qui se sont rassemblés ici en profitent longtemps et dans le bonheur. Oh, c'est trop bien. N'oublie pas ceci, Jordana. Sois toujours reconnaissante envers le soleil, l'eau et la terre. Ouais. Oh, l'automne, j'adore. J'adore les couleurs. Du coup, c'est sympa de nous mettre un petit aperçu de l'automne. Enfin, je trouve ça... Ouais, je trouve ça cool. La tempête est finie? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Cette tempête hier, si c'était pas dingue ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as vu un petit peu comme le temps est magnifique aujourd'hui? Et on dirait que toute la bande est ici maintenant, tu devrais venir voir. Le grand final? On va assister au grand final. Allez, c'est parti. Jordana, grâce à toi, tout est de retour comme il se doit. Vraiment, merci. Maintenant, j'aime plus que jamais cet endroit. Oui, j'espère que tu resteras pour toujours, Jordana. Avec plaisir. Tu vas rester, je suis si heureux. Trop mignon. Ouais, on peut continuer à traîner avec Jordana. Ils sont trop choux. Comme si ça m'intéressait. Mais toi, tu te tais. Tu plombes l'ambiance. Jordana, j'espère que notre amitié va durer. Amis pour toujours. Ouais. Ils sont trop mignons. Mais voilà, encore celui de teint, mais c'est qui? Avec son petit lapin, là, je sais pas ce qu'il fait. Oh, et ben voilà, générique de fin. Bon, ben écoutez, ce jeu m'a bien plu, je dois l'avouer. Je pensais pas que ça allait autant me plaire, parce que j'avais déjà joué aux anciennes versions d'Harvest Moon, et j'avais
Bon, j'avais pas mal geeké quand même, mais j'étais plus jeune, quoi. Du coup, j'avais peur que, comme j'avais beaucoup grandi depuis, ça ne me plaise plus, mais au final, bah pas du tout, je suis pas déçue. Donc voilà, c'est un jeu, voilà, si vous aimez la gestion ou les trucs comme ça, les histoires un peu belles, voilà, je vous conseille grandement ce jeu, comme vous pouvez le voir si vous avez suivi la série. C'est vraiment, on a plein de possibilités, les quêtes sont, oui, variées, si on peut dire ça. Il y a pas mal de récoltes à faire, enfin bon. Donc voilà. Je vais vous laisser du coup avec ce petit générique de fin pour le moment de nostalgie. Quant à moi, je vous retrouverai pour d'autres vidéos, ce qui fait que voilà, comme je l'ai dit, la série se termine ici. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. C'est son défaut.